sur le plan d'internet, j'espère que vous avez tous magnifiquement bien. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Royal Fight. Aujourd'hui les amis, je suis accompagné de Kulo, comment vas-tu mon ami? Et de K-Shox, comment vas-tu K-Shox? Ok, K-Shox ils viennent de nous foutre un gros blanc. Alors enfin bon les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Royal Fight. On est à l'épisode numéro 19. Et puis aujourd'hui il y a une nouvelle version de Royal Fight qui est sortie les amis. Et j'avais envie de vous la présenter. Donc je me suis dit ouais let's go pourquoi pas. On va faire ça. Ça peut être stylé. On va aussi ben, jouer sur le serveur. On va faire un, on va continuer notre let's play jusqu'à temps qu'on stagne quoi comme d'habitude. C'est cool de changer d'air parce que maintenant ben, avec les, tous les lags que sur GTA Faction et tous les autres serveurs que je joue en ce moment qui sont pas top top. Ben voilà, il y a ce serveur là qui est. On va l'essayer avec les amis, on va faire des lives aussi, des trucs comme ça. Et puis c'est ça. Donc en gros, qu'est-ce qui va arriver dans le fond les amigos, c'est que on va aujourd'hui je vais vous présenter le spawn et les autres épisodes on va faire soit des pillages et trucs comme ça quoi. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver dans le futur, mais bon on va voir qu'est-ce que ça donne. Et puis voilà. Aujourd'hui j'ai essayé de vous présenter le spawn. Puis c'est ça. Faut pas oublier que je suis en live aussi, donc voilà. Donc slash spawn, ça n'apparaît ici. Un spawn que j'ai déjà vu quelque part, je me souviens plus où. Mais déjà vu quelque part. Donc vous spawnez, vous avez bienvenue, vous avez Kit Spark, Kit débutant, ok ça c'est cool, on s'en fout. Merci de nous l'avertir mon pote. Donc ensuite vous avez un genre d'endroit pour voir les minerais et tout. Si vous vous souvenez les amis, moi j'ai kiffé le serveur à cause de ça. Cette armure là qui était vraiment cool. Mais super difficile à avoir, un armure full royal c'est presque impossible à avoir. Et puis ensuite il y a, attends on va commencer du début ok. Donc le meilleur, le plus bon minerai c'est l'obsidienne à la couche 7. Donc avec l'obsidienne normale quoi les amis, vous pouvez vous faire des blocs d'obsidienne et tout, après voilà. Après la couche 4, il y a la couche 7, il y a aussi de l'émeraude. L'émeraude, bon vous savez c'est quoi l'émeraude, le saphir, c'est comme le saphir normal. Ensuite vous avez le fifalite qui est devenu orange, avant il était rose, maintenant ils ont mis orange. Et puis il y a la texture qui change un petit peu aussi, elle se rapproche de plus en plus. C'est, toutes ceux-là sont pareils. Voilà, et puis là, oh, les textures ici changent. Donc le fialette qui est le deuxième meilleur minerai du serveur. Et le meilleur minerai qui est cette armure-là ici, comme je vous ai dit tout à l'heure. L'armure en royal. Ensuite, on a des trucs spéciaux. Donc l'obsidienne est impistonnable. Chroma, incassable à TNT, mais pistonnable. Les escaliers, les fans, enfin, vous avez compris quoi en regardant. Les barrières aussi. Les outils, bon voilà. La pioche en royal, l'épée et tout. Bon, vous êtes pas con, vous avez compris. Culot ton micro, je sais pas si la personne qui a son micro comme ça, mais bon. Ensuite ici on a quoi? Des shops, je crois que ça c'est des shops. Donc ici vous pouvez vendre, acheter, c'est le même système de shop qu'avant. Assez stylé, ici c'est quoi? Zone HDV. Donc il y a un genre de censé avoir un hôtel de vente ici, I guess, mais il n'y en a pas. On peut acheter la TNT, on peut pas la vendre, on peut vendre la canne à sucre pour... C'est combien la canne à sucre? L'unité c'est 0,1 l'unité, donc 10 centimes l'unité. Quand même ça en prend crise la canne à sucre, sauf qu'il faudra faire un champ de canne à sucre, ça c'est sûr. Donc ça c'est en travaux, donc ouais le shop qui est pas totalement complet. Encore j'ai l'impression qu'ils vont continuer à mettre des trucs, y a-t-il un autre étage au shop? En travaux, ouais il y a deux étages au shop, on le voit comme vous pouvez voir. Donc voilà. Ensuite, quelqu'un peut timer le gars sur mon chat Twitch, s'il te plaît Kulo va voir, je te fais le gars il a mis quelque chose. Merci. Okay. Ensuite vous avez une place pour faire des tables d'enchantement, des niveaux, donc niveau 1. Ces deux là, elle c'est doit être 8, elle 12 ou 15, et c'est là 30. Donc voilà, c'est bien badass. Oh putain, lance-moi pas ta merde frère. Ensuite on a des moutons ici qui servent à rien. Donc j'aimerais bien les tuer mais ça dit qu'on peut pas. Donc ici qu'est-ce qui est marqué? Nouveauté de la semaine de lundi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vendredi, ok. Débug du launcher Mac, codage du KOTH plus classement faction, ajout du HD, UHD armor, ça c'est pour voir les armures ici, et les potions, on va en prendre une, par exemple une pomme d'or, voilà, ici. Il n'y a pas les sons en ce moment, il y a un petit problème. Codage des nouveaux coffres et échelles, codage des nouveaux coffres et échelles, il y a deux fois le même panneau, vous êtes vraiment des autistes en vrai. Commencement du codage du KOTH plus classement. Ok, en gros ça c'est lundi, ça c'est le mardi, ça c'est le mercredi, ça... Ok, je comprends, en gros ça se lit comme ça de haut en bas, pas de comme ça, ok, je suis attardé. Ensuite vous avez un logo Royal Fight, vous avez ici deux claims d'AP maximum par sortie. Voilà, vous avez une Warzone, je crois qu'il est la même qu'avant, je suis pas sûr. Ouais, je vais pas aller PP les amis, je suis trop bon PP de toute façon.
Je trouve mon PP. Vous pouvez me rejoindre dans le fond sur le serveur, les amis. Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose que je pourrais montrer de l'autre côté. Vous pouvez me rejoindre sur le serveur, juste le lien va être dans la description. Donc ici c'est marqué quoi? L'information du serveur. Le TBK est autorisé. L'obsidienne est explose au bout de 18 TNT. Nouveau, allez voir le warp exclu. L'arnaque est interdite. Wilderness pourrait être téléporté aléatoirement. Les biscuits sont vos dieux. Le chroma est incassable à la TNT. Le chroma pistonnable. L'obsidienne est pistonnable, n'hésitez pas à aller sur le forum. La Minotaur reset tous les jours à 18h et 19h. Ça, c'est un truc que j'aimais bien, la Minotaur avant. Je sais pas s'ils l'ont remis à la même place ou voilà. Ils ont aussi mis des spawners à vaches et des trucs comme ça pour les gens qui ont pas de bouffe. Ça, c'est assez stylé. Par exemple, on prend un exemple ici des côtelettes de la viande. Ben voilà quoi, c'est cool parce qu'on peut avoir de la bouffe, on peut avoir un peu d'XP pour tout le monde. Ensuite, il doit sûrement avoir des warps. Donc, on a Warcoff exclu, info, KOTH, mine, Nether. Nord, spawner, tab. On va faire mine, parce que je crois que ça va être la Minotaur. Si on se fie à ce que je pense dans ma tête, quoi. Donc voilà. Donc, quand on arrive à la mine, c'est un peu comme avant. Vous avez un petit point de spawn. Minotaur reset tous les jours à, bon, deux fois par jour, elle reset. Donc ça, c'est stylé. Et en gros, ça c'est une grande, grande, grande place. Pas tellement stylé, mais à niveau des... Oh, niveau du design. Oh, j'ai tombé. Du design, mais au moins je veux dire, c'est là que vous venez pour miner vos minerais, etc. Donc la première couche c'est de la dirt, ensuite c'est de la stone avec des pleins de minerais cachés, il y a du royal, des trucs comme ça, et c'est là que on trouve le royal. C'est vraiment important de miner les de les miner en fait. Donc dans 2 heures et dans 3 heures il y aura 2 mines, il faudrait qu'on soit présent pour le faire aujourd'hui alors que moi je fais cette vidéo là. Hop là, attends, je vais pas faire ça, on va faire slash warp. Warp KOTH. On va voir qu'est-ce qu'il y a au KOTH. Ça se trouve, ça serait même pas un vrai KOTH, ça peut nous téléporter dans le KOTH. Ah oui, ça nous téléporte près du KOTH. En gros, le KOTH c'est quoi? C'est ça. Si vous savez pas c'est quoi KOTH, les amis, c'est en gros, faut prendre possession du point de... Le point qui est ici. Voilà. Pendant que... Le point, quand on se fait capturer, nos amis doivent nous défendre. Le KOTH est vraiment petit, par exemple. J'ai l'impression qu'il y a une autre base là, ou quelque chose là. Dans ses spawns. Putain, je suis con. Je vais pas retourner vers le spawn. Mais en gros, ouais, je trouve ça bizarre qu'il ait mis un warp KOTH. Parce que c'est juste à côté du spawn, où les gens pourraient juste sortir du spawn et comme ça. Là, c'est quand même assez spécial, mais bon. Ils font comme ils veulent, quoi. C'est leur serveur, mais bon. Ouais, comme j'ai dit, les amis, on va reprendre le let's play. Je sais que beaucoup d'entre vous l'avaient aimé. Il a quand même fait pas mal de vues sur ma chaîne YouTube. Culot ton micro, putain. Et puis, ouais, on a quand même fait pas mal de vues. Je pense que ça peut être assez stylé. Ouais, ou peu importe, ça doit être Keshok, c'est un fils de pute, ce gars aussi. Pardon. Et en gros, ouais, il y avait... J'ai déjà fait un let's play, je connais un peu les vues de fait, les gens sur le serveur, tu fais exprès là ou quoi? Fils de pute de Keshok. Donc ouais, je connais plus vite fait un peu les joueurs sur le serveur, il y en a beaucoup qui m'ont reconnu quand je me suis connecté pour la première fois tout à l'heure. Et puis voilà, c'est une nouvelle version, il y a un reset les amis, donc si ça vous intéresse, venez voir ça. Et puis, je pense que ça va être tout pour le premier épisode, enfin le premier épisode de notre retour, donc l'épisode numéro 19. Pour l'épisode numéro 20, si je me trompe pas, si c'est bien l'épisode numéro 20, je sais pas où est-ce qu'on était rendu. Pour l'épisode 20, comme j'ai dit, on va peut-être commencer à créer une base avec Keshox et puis Culo. Et puis le reste de la faction, donc il y a aussi Dark Show, il y a, je crois que c'est F Show qu'on fait pour voir. Ouais, il y a Culo, Dark Show, il y aura plein d'autres gens aussi qu'on va inviter. Et puis ça va être stylé, on va s'amuser, on va recruter certains d'entre vous. On verra ça dans le prochain épisode. On va sûrement recruter des abonnés qui sont sur mon live. Donc si vous voulez vraiment être recruté et tout, je fais un live samedi à 18h, l'heure du KOTH sur le serveur ici. 18h sur Twitch, donc si vous avez envie de venir. Venez mes copains, je vais vous attendre en grand nombre. Et puis voilà. C'était Icon, je vous aime. Passez une excellente fin de journée. Bisous.